Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui l'ont vu sur YouTube, Facebook, Instagram, tout ça, j'ai eu mon permis, du coup bah c'est trop bien. Je vais pouvoir aller voir les chevaux, enfin pas plus souvent parce que j'y allais tout le temps, mais dans de meilleures conditions on va dire. Et pour tout ce qui est clôture, etc., ben ça sera beaucoup plus facile parce qu'avec mon scooter, autant vous dire que c'était un peu galère. Donc là, je sais pas quelle heure il est, doit être 9h. Je vais aller voir comment les chevaux vont, juste un petit aller-retour. Ensuite je vais revenir ici, enfin chez moi, parce que je dois embarquer mon chéri. Parce qu'après on doit emmener les poteaux là qui dans cette remorque dans un pré, parce que je vais y faire un rond de longe et en plus il y a des poteaux cassés, donc il faut que je refasse ça. Qui ont été cassés avec la tempête, donc voilà, j'en ai acheté en plus pour refaire la clôture. Donc voilà, je vais juste aller voir si les chevaux vont bien, faire un peu d'essence et après je verrai. Pour aller emmener les poteaux. Et cet après-midi je vais emmener Angel sur un lieu où elle va faire un stage pour qu'elle puisse faire signer la convention. Et après je sais pas, bah, peut-être que je ferai les clôtures ce matin aussi. Au moins les poteaux cassés, après le rond de longe on s'en fout un peu. Je pourrais le faire quand les chevaux seront là-bas. Et il faut aussi que je trouve un moyen, un moment pour déménager les chevaux. Alors il faut qu'il y ait pas, enfin voilà, faut que la tempête passe en fait. Et aujourd'hui, je crois qu'il fait à peu près beau. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, je vais voir les chevaux. Après, on emmènera les poteaux et cet après-midi, j'irai emmener Angel là où elle a besoin. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, je suis arrivée au pré, donc on doit garer la voiture plus loin ou le scooter plus loin parce que c'est gadouilleux. Enfin, c'est un chemin comme ça et. C'est chiant pour faire demi-tour, donc bref, voilà. Donc c'est évidemment, à partir du moment où j'ai mon permis, où je peux venir au sec par tous les temps voir mes chevaux, qui fait beau, enfin qui fait pas dégueulasse, il n'y a pas de vent, il pleut pas, il y a un peu de soleil, évidemment, c'est logique. Donc voilà, je vais voir s'ils vont bien, leur faire une petite caresse. Hello. Oula, t'es tout flou. Poney. Un autre poney. Oui, un autre poney. Oh, et un troisième poney, tiens. Non, non, il a même pas de complément. Je lui avais donné un peu quand les températures baissaient. Deux, trois semaines, je crois. Et là, il a plu parce qu'il fait un peu plus chaud. Il est gras comme un cochon. Du coup, voilà ce qu'on doit réparer. Plus de cette ligne. C'est cassé. Alors, on a emmené les poteaux. Hop, tout est au propre. On a débroussaillé un peu. Pas tout, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais en fait, voilà, on peut mettre les chevaux là quand on veut, puis je débroussaillerai quand ils seront là, ce sera plus sympa. Voilà, donc là, on retourne à la maison, on va manger, je pense. Je sais pas quelle heure il est en fait. Oasis. Dors dans la boue. Génial. Aïe, je tombe. C'est super, dans la boue. Bref. Du coup, en fait, on a décidé, il n'est pas midi encore, on a mangé. On a décidé de, du coup, déplacer les chevaux en vent. On va faire 3 allers-retours. Moi, ça me plaît pas forcément. Parce que j'aime bien les déménager à pied, parce que ça fait une bonne balade. Mais on profite qu'il fasse ce temps-là. Le truc, c'est qu'on n'est pas assez pour déménager les chevaux à pied. Parce que j'ai des collègues qui travaillent, qui mettent d'habitude, mais qui travaillent là. Donc on va faire ça avec mon copain en vent. Donc on va atteler devant, on va mettre Nono dedans, on va l'emmener. Ensuite, ça sera autour d'Oasis. Et puis Kouroun, et puis voilà, ça sera fait. Alors, oula, génial. Bon, justement, ça fait 2 heures qu'on est bloqué au pré. On s'est embourbé en allant prendre le van. C'est à cause de ce temps de merde, depuis un mois il pleut. Ça nous est jamais arrivé parce que bah voilà, les terrains sont pas trop dégueux, mais là c'est juste l'horreur. Du coup bah on a dû faire venir un ami, puis après on a été choper un agriculteur dans son champ. Voilà, donc c'est bon, on a la voiture est sortie, par contre le van on va devoir le faire à la main et à deux c'est pas possible. Du coup pour l'instant je vais emmener Angel là où il faut que j'emmène. Et après on verra bien si on a juste le temps d'enlever le van ou voilà, on n'aura pas le temps de déménager les chevaux maintenant. On verra après. Bon voilà, c'est parti, on va chercher Angel déjà et puis voilà. Bon, on vient d'arriver aux écuries. Il y avait la prof derrière d'ailleurs. Et on va aller la voir.
Bon, voilà, on a fait signer les papiers, mais Angel arrive. Pourquoi tu me prends en photo? Et du coup, on va passer à Décathlon parce qu'Angel a quelques trucs à prendre. Et voilà, après, je sais pas trop ce qu'on va faire avec les chevaux, surtout parce que j'aurais bien aimé sortir le van. Il fait des têtes, il fait des photos. J'aurais bien aimé sortir le van du champ, mais. Non, pas tout à l'heure, franchement, je suis pas méfié. On verra. Qu'est-ce qu'il y a? Des boîtes à crampons, ouais, tu m'étonnes. Encore le sol est pas dégueu. Ouais, non, ça te dérange pas. Ouais. Décathlon. Ah, oui, madame, que faites-vous? Ouais. Nettoie tes bottes? Ouais, elles sont pas très propres. Hein. Je vais mettre mes baskets. Pourquoi tu mets des cloches là? Ça va me faire chier. Tu les enlèves? Attends, je vais me sentir. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Angèle a acheté de longs gants et des cloches. Voilà, génial hein. Très intéressant. Intéressant. T'aimes bien quand je te filme comme ça? Non. D'accord. Bon bah j'arrête. Hop, du coup, on vient d'arriver au champ d'Angèle. Voilà. Et on va nourrir les chevaux. Tu vas nourrir les chevaux. Bon, finalement, on n'a rien branlé de la journée, entre guillemets. On devait déménager les chevaux et finalement, bah voilà. 2 heures embourbées, je pense que là il va faire nuit, ça sert à rien. Du coup, bah je pense qu'on va essayer de faire ça demain. Mais j'aimerais bien aller à pied, mais bon, en vent ça ira plus vite. On verra demain. Tu veux le longer? Bah t'as le temps, hein. Il fait pas de nuit. Ouais, tu peux essayer. Bah dur, ça a trouvé, il va être bien. Hein. Ouais. Autour, je vais mettre de la longeance. Ça peut faire passer. Ouais. Comme ça aussi, bon, ça bah. Sera bloqué. Ah, oh putain, ils arrivent à fond. Ouais, quoi que faites le tour, c'est bien. Ils sont malades. Eh oh, vous arrêtez, vous calmez là. Calme-toi. Ça va pas, hein. Vous êtes malade. Mais Jaco, lui, il bloque dès qu'il y a de la boue. Jaco, dès qu'il y a la boue, attention, hein, faut pas salir le monsieur. Hein. Tant pis, hein, c'est pas dit qu'il mange, hein, pas toi. Hein. Jaco est absolument débile aujourd'hui, c'est magnifique. Non, mais il est débile, hein. Il est con, Jaco. Moi, il est enfant. Ah, bah ça. Angel va longer Paddy du coup. Je pense que ça sera la dernière chose qu'on va faire de la journée parce que ben, les journées sont courtes, c'est chiant et en plus il commence à réavoir de la pluie. Donc je croise les doigts pour que demain il soit assez beau, au moins pour déplacer les chevaux en van quoi. Au moins. On verra bien. Du coup demain matin je pense que je vais aller au champ. Ah oui, il faut que j'aille acheter des vis aussi à Abricot, mais je vais pas vous emmener avec moi, ça sert à rien. Du coup je pense que demain matin je vais aller. Commencer le rond de longe du coup là où je dois emmener les chevaux, comme ça bah ce sera fait, s'il sera prêt quand à peu près prêt quand ils viendront au champ. Donc voilà, il y a Mélissa aussi qui va passer nous voir, voilà c'est tout, mais bon c'est peut-être pas intéressant, je finis pas le vlog là, je finirai le vlog un peu plus tard, voilà, parce qu'on a encore des trucs à filmer. Il me fait froid sa mère. Angel est à la pêche. Désolée.
arraché le reste. Et là, on l'a fait la filette là. Sur quoi va? Tiens, comment? Prends son bain. Vas-y. Il travaillait sérieusement en plus. Ouais, c'est bon. Oh, c'est bon. Et puis il sait se mettre en extension en galop, des fois il travaille, c'est ouf. Bon là j'avoue. Je vais filmer. Elle a une trottinette électrique. Parce qu'elle va avoir un poney et du coup. Ça va tenir pratique. Voilà. Oh putain. Ah oui, c'est un. D'accord, c'est un poney. Bonjour. Et Jaco il se demande. Ah, une main, c'est chaud quand même. Bonjour Jaco. Bonjour la jument. Mais Jaco il trace. Ah non. Ah, je vais tomber. Ah, je vais faire conduire hein. C'est trop bien. Comment ça arrête? Il y a un frein mais j'ai qu'une main alors. N'importe quoi. On fait nom nom. Jaco il fait nom nom dehors, il va pas être très content. Il pleut. Non, t'as vu Jaco, il pleut. Il n'aime pas la pluie. Il n'aime pas du tout la pluie lui. Je vais m'étouffer. Allez, on peut rien faire maintenant. Génial. Le bordel, ça il s'est fermé. Il a fait soleil un petit peu la journée. Oh, je m'attends. Et là, non mais regarde là maintenant quoi. C'est reparti pour un tour quoi. Pour la nuit, regarde. Là, ce qu'il y avait tout à l'heure, adios. Hein. Au revoir, ciel bleu. Adieu. On t'aimait bien. Dans un an, peut-être. Ah ouais, peut-être un an, ouais. Parce bon, que... bah, on repart à la pêche, du coup. À la mer, ça fait beau là-bas, en fait. Ouais. Enfin, tout à l'heure, ce sera mieux. Hein. Quand il y aura le plus dessus, ouais, ça sera pas la même. Hein. Donc là, filmer quand on conduit. Là, on va faire un petit tour à Bricola Marché parce que. C'est moi qui conduis. Mais n'importe quoi. Vaut mieux pas. Parce que j'ai besoin de vis pour des isolateurs, parce que j'ai pris des isolateurs plats, pour couper la musique. Donc voilà, on va faire un petit tour à Bricot parce qu'il est pas tard et qu'on a que ça à foutre parce qu'on peut rien faire avec les chevaux parce qu'il y a eu une averse de malade. Si. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les chevaux? Ce que j'ai fait moi. Oui mais moi j'ai déjà fait moi. J'ai déjà nourri, j'ai déjà... Non mais longer je peux pas, le champ il est vraiment trop gadouilleux. Ah ouais. Du coup c'est pour ça que j'ai envie de leur changer de champ. Là je peux pas, c'est pire que le tien. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment, c'est des marécages. Donc voilà, on va faire un petit tour à Bricot. Bon, ben voilà mon pré. Je suis venue revoir si les chevaux allaient bien parce que maintenant j'hésite plus hein, avec la voiture, c'est clair. Tout va bien. Hein. Je m'en doutais. On a réussi à déplacer un peu le van. Mais voilà, c'était un peu une journée un peu catastrophique. Mais bon, je vais vous faire un vlog quand même que vous voyez. Bah que c'est pas toujours rose en fait finalement. En fait ce qu'on a fait aujourd'hui c'est juste aller planter les poteaux là ce matin. Donc le champ il est prêt à accueillir les chevaux. L'autre prêt. Ensuite dans la foulée on a voulu donc ramener les chevaux dans ce pré, dans le pré qu'on avait préparé. Sauf qu'on s'est embourbé à l'entrée du champ, enfin à l'entrée du pré. Du coup on a passé 2 heures à essayer de l'enlever jusqu'à ce qu'un tracteur nous aide.
En attendant, bah, on a déplacé un peu le van. On va devoir le déplacer à la main. Donc on fera ça demain, je pense, avec, avec des collègues. Voilà, ce sera plus facile avec plusieurs mains, en fait. Plusieurs forces, parce qu'on n'était que deux. Et voilà. Après, on est allé voir... Enfin, j'ai été emmener Angel à l'écurie. On est passé à Décathlon pour elle. Ensuite, on a été voir ses chevaux. On a longé Paddy. Et voilà, ben là c'est la fin de la journée, il doit être 17h, bientôt 30, donc je vais rentrer à la maison, les chevaux vont bien, je vais rentrer à la maison, je vais faire le montage en fait de cette vidéo, comme ça, ça sera fait, je vais aller au show, et voilà, on verra demain ce qu'on fait, j'espère qu'on va réussir pour le van, on n'a jamais autant galéré pour le van, enfin pour les terrains, pour la voiture toute l'année normalement on peut la rentrer dans les terrains et là mais que dalle quoi, on a rentré 10 cm après on était embourbé quoi, on était juste à l'entrée du pré quoi, c'est n'importe quoi, on n'a jamais autant galéré, c'est vraiment de la merde ce temps, ça fait plus d'un mois qu'il pleut sans arrêt voire plus, c'est voilà, c'est un peu démoralisant, du coup avec les chevaux on fait rien, ça gratte. On fait rien et justement le champ où je veux les emmener, j'attendais d'avoir mon permis pour les emmener parce que aller en scooter jusqu'à là-bas c'est trop dangereux et puis avec le temps bah c'est encore plus dangereux et du coup bah là comme je l'ai voilà on a préparé le champ, on voulait les emmener, bon voilà on verra si on les emmène à pied ou en van finalement, mais le van faut qu'on l'enlève de là, faut qu'on le ramène chez nous parce que si les chevaux sont plus là je veux pas le laisser là. Donc voilà, et du coup bah les vlogs j'en fais plus, je vais vous en faire plus des vlogs quotidiens etc parce que bah comme j'ai la voiture, voilà quand j'étais en scooter, quand j'avais froid, quand j'étais trempée, bah j'avais pas envie de faire de vlogs tous les jours parce que c'était pas cool quoi. J'en faisais de temps en temps mais vraiment quand il faisait beau. Du coup là je peux faire vraiment des vlogs un peu plus dans le quotidien et moi c'est ça qui me plaît donc je suis contente, je suis motivée. Grâce au fait d'avoir mon permis, je peux vous faire ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Parce que bon, il y a quand même Paddy qui a été longé. Voilà, c'est relativement intéressant. Voilà. Donc on va aller faire un petit bisou à Nono qui mange le foin. Du coup, je sais pas si, au pire, si je peux pas les déménager ce week-end, c'est pas grave. Il leur reste du foin, il leur reste de l'herbe. Mais c'est vrai que ici les chemins ils sont boueux et aux alentours de l'autre champ où je veux les mettre c'est pas boueux, c'est stabilisé la plupart. Donc ça serait bien. Mais bon, juste pour info, là je filme le 5 janvier. Vous avez un petit décalage, ce qui est normal parce que je fais des vidéos en avance. Vous avez un petit décalage sur les jours. Donc là on est le 5 janvier. Comme ça je vous dis qu'on est le 5 janvier, comme ça vous comprenez pourquoi il fait ce temps-là, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà.